Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors aujourd'hui, nous allons encore voir une autre façon de travailler sur un visage et surtout par rapport à la skin, donc sur la peau. Alors, nous allons fermer ceci, vous allez voir, ça peut être très intéressant. Je vais ouvrir une image. Qui est celle-ci? Alors, premièrement, allons dans Affichage, dans Studio, et nous allons ouvrir ici Échantillon. Vous voyez, donc vous pouvez cliquer sur Échantillon. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez cliquer ici sur l'échantillon et pouvoir le positionner, vous voyez, sur les éléments en bleu que vous voyez ici, ou vous pouvez l'ajouter, par exemple, ici, sur la première fenêtre. Vous voyez, je le fais glisser ici. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Mais nous allons cliquer ici sur le petit pictogramme. Je fais un clic. Vous voyez ici parce que j'ai le gris. J'ai plusieurs possibilités en fait. J'ai les couleurs que je peux jouer ainsi que les dégradés. Donc je reviens sur le gris. Et je vais cliquer ici sur le petit pictogramme. Et je vais créer une palette à partir de l'image. Donc, je vais cliquer dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais sélectionner une image dans mes dossiers. Voilà, je vais chercher ici, je regarde. Et je vais recliquer sur une image que nous avons travaillée. Voilà, vous voyez que la même image peut travailler sur plusieurs projets. Donc, voilà, nous allons l'ouvrir. Elle s'affiche ici. Et vous voyez qu'ici, il donne ses nuances de couleur par rapport à l'image. Je n'ai pas besoin de 5 éléments. Donc, je peux varier ici, vous voyez. Je peux jouer sur 29, enfin bon, pas le but. Je vais jouer sur minimum 3. Et je fais aperçu. Voilà, j'ai 3 couleurs. Donc, je fais créer. Voilà, elle s'affiche ici. Vous voyez que c'est des petites vignettes. Je peux retourner ici dans le petit pictogramme et je peux faire apparence grand. Ceci est une bonne chose. Mais qu'est-ce que je vais faire de cela? Je vais retourner dans mes calques et je vais créer ici un réglage, un calque de réglage, et je vais prendre courbe de transfert et de dégradé. Voilà ce qui se passe. Ça m'ouvre une fenêtre courbe et ça me donne les 3 couleurs du foncé au clair. Je vais cliquer ici sur ma zone rouge et sur le bouton de commande. La couleur, elle apparaît ici, donc je clique dessus. Ça m'ouvre une petite fenêtre avec une pipette. Cette pipette, je vais l'employer en restant cliquant dessus. Je clique dessus, je voyage avec ma pipette. Et je vais chercher les tons foncés de mes 3 couleurs que j'ai été sélectionné dans mon image. Vous voyez, j'ai une, deux et la foncée. Donc, je clique dessus. Elle apparaît ici, vous voyez ici dans le petit rond, je clique dessus. Voilà, vous voyez, elle apparaît ici. Je viens chercher dans les tons médiums, voilà, je reclique sur ma petite vignette en vert, je reprends ma pipette, je reste appuyé, et je vais chercher mes tons médiums. Là, j'avais mes tons clairs, mes tons médiums, mes tons foncés, donc je viens sur mes tons médiums, je lâche. Il apparaît ici, je fais un clic. Je reviens. Oui, j'ai mes tons foncés, mes tons médium. Je vais chercher mes tons clairs en cliquant sur le petit bouton de commande, le bleu. Il apparaît, je clique dessus. Je prends la pipette, je reste appuyé et je vais chercher mes tons clairs. Voilà, il apparaît ici, je clique sur le petit bouton. Et voilà, j'ai 3 éléments qui sont faits.
à ce moment-là, je peux fermer ici ma fenêtre. Et j'ai bien un calque de réglage qui s'est créé avec des courbes de transfert de couleurs. Ben, à ce moment-là, il suffit simplement que je retourne maintenant ici dans mes modes normal, et je vais chercher, par exemple, voyez, au plus j'avance, et je vais aller chercher une lumière tamisée. Voyez, je fais lumière tamisée. Vous pouvez jouer, bien sûr, avec son opacité. Voyez, fait avant, après. Comme c'est un calque de réglage, donc il peut servir de calque, vous pouvez aller chercher une brosse qui est ici. Voilà. Vous pouvez toujours aller chercher vos brosses, vous voyez ici, pour les sélectionner dans les pinceaux. N'oubliez pas. Comme je suis sur un calque, donc je vais faire apparaître de la transparence sur mon calque en cliquant sur le noir. Donc je regarde la taille de ma brosse, vous voyez. Donc j'ai une opacité de 100%, j'ai un flux de 100%, la dureté, voilà. Libre à vous, hein. Donc ici maintenant je vais faire apparaître mon fond d'origine. Je fais apparaître ici mon calque et laisser le visage avec, bien sûr, le travail que nous avons accompli dessus. Vous voyez. Je fais apparaître simplement les cheveux, le veston de mon image de base et je laisse uniquement la peau avec les options que je lui ai données. Vous voyez, j'ai bien laissé en opacité complète rien que uniquement le visage et le buste. Vous voyez, donc avant, après. Encore une fois, vous pouvez toujours jouer bien sûr avec ces opacités. Voilà un petit tuto très intéressant. Amusez-vous. Et je vous dis, bien sûr, un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto par rapport à GIMP. Merci de votre écoute.